Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, unboxing Diamond Painting aujourd'hui avec la boutique Craft Art Club. Voilà, donc j'ai eu le droit de choisir quelques kits. Voilà, donc j'en ai choisi trois. Dans les trois, j'en avais choisi un et ils m'ont renvoyé un email en me demandant d'en choisir un autre. Donc, je pense que celui que j'avais choisi devait être en rupture. Bon, ça arrive, hein. Mais c'est pas grave. Donc, j'en ai choisi un autre et puis voilà. C'est bon. Donc, je sais plus combien de temps ça a mis. 15 jours, je crois. Je n'ai pas noté la date sur mon petit pense-bête, là. Mais bon. Donc, j'ai reçu une petite pochette comme ça, hein, comme d'habitude. Et voilà mes trois kits dans les petites pochettes blanches que j'ai déjà ouvertes pour gagner du temps et faire moins de bruit. Enfin, faire moins de bruit, bon, on va essayer. Hein. Il fait toujours aussi froid dans ma pièce, malgré qu'il y a du chauffage. Alors, du coup, j'ai mis ma petite veste. Et puis, ouh, il est chaud. Enfin, ça me réchauffe. Alors, lequel je vais vous montrer en premier. Je regarde lequel que c'est d'abord. Voilà. Donc, c'est celui-là que je voulais vous montrer en premier, je pense. Oui. Alors, vous savez que je fais du coloriage, hein, bien sûr. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit, oh. Donc vous allez voir pourquoi. Alors, c'est un 30-30. Donc, c'est un carré. Donc, il n'est pas très grand. Mais bon. Et ce sont des perles rondes. Voilà. Donc, comme d'hab, il y a le petit kit qui va bien avec. Il y a les perles, donc, en sachet chapelet. Le kit, la toile, vous la voyez après. J'aime bien faire durer le suspense. Alors, nous avons... attendez, je vous dis quand même combien de couleurs. Nous avons 20 couleurs. Voilà. 20 couleurs. Et donc, je vous les montre. Du rose comme ça. Un rose plus foncé. Un plus clair. Un vert d'eau, bleu, un marron rouge, ça c'est le noir je pense, ah non c'est pas du noir, non, c'est un bleu marine, encore un genre, ouais, un rose, voilà. Donc, de jolies couleurs, hein, quand même. Voilà. Encore un bleu marine, mais un peu plus clair. Il y a beaucoup de bleu. Hein. Voilà. Et du blanc. Voilà. Ah, ben là, je m'empatouille. Je m'empatouille les mains. Voilà. Donc, je les range tout de suite. Alors, pourquoi je vous disais, pour vous rappeler pour que j'aime le coloriage. Parce que celui-ci, c'est un modèle d'Emmanuel Colin. Voilà. Donc, celles qui font du coloriage vont le reconnaître. Hein. Donc, c'est un 30-30. Donc, je ne sais pas ce qu'il va donner à la fin. Bon, je pense que ça devrait le faire. Donc, voilà. Du coup, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh, oh !» C'est le premier que je vois d'Emmanuel Colin en DP.
Donc, je ne sais pas si elle a donné son autorisation ou pas, mais bon, c'est pas mon problème, ça. Mais enfin, c'est le premier Emmanuel Collin que je vois en DP. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous montre, la toile est brillante. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Si j'enlevais la protection. J'essaye de vous montrer que c'est brillant, mais bon, j'arrive pas trop. Bon, enfin. Et la colle, c'est bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Alors, je redis, bon, on va dire que je rabâche, mais ce sont des conseils. Donc, je peux les rabâcher, hein, les conseils. Quand vous avez des toiles comme ça, avec le film transparent, n'oubliez pas de mettre votre gommette tout de suite sur le dessus pour pas avoir des surprises. Pour ne pas mettre ce côté-là du côté de la colle, hein, du côté de ce côté-là. Parce que là, pour l'enlever, bon courage. Donc, n'oubliez pas de mettre votre gommette. Et non, je répète souvent, mais je préfère. Ça vous évite les surprises. Donc voilà, le petit modèle Emmanuel Collin. Alors, qui va bien rentrer dans sa pochette. Donc, je vais marquer dessus. Du coup, là, je marque Emmanuel Collin, je sais comme ça, je sais ce que c'est. Le suivant. Alors, le suivant, c'est un 30-40 avec 22 couleurs. Alors, nous avons toujours le petit kit qui va bien. Alors ici, les perles sont rondes, bien sûr, mais elles sont mises dans des sachets zippés. Voilà, ce que je répète aussi toujours, ce qui est bien, puisque quand il vous reste des perles, au moins vous les remettez dans les sachets zippés, vous avez plus juste à rajouter la référence, et comme ça, vous pouvez les ranger directement. Donc là, quand je parle de la référence, c'est la référence DMC. Pour vous savoir pour un kit, un prochain kit, si vous manque des perles, comme ça, vous pouvez en avoir sous la main. Alors, nous y allons. Comme ça. Donc, eux, ils marquent, vous voyez, là, bon, vous le voyez à l'envers, mais eux, c'est... Il marque le numéro, c'est pas la référence DMC, dessus il marque le numéro, donc ça le 2, ça correspond à tel symbole, hein, il y a un symbole, et la référence DMC c'est 300, voilà. Donc vous rajouterez 300, alors soit sur cette étiquette-là ou sur une autre étiquette que vous recollerez avec, mais c'est celle-là qu'il faudra mettre, c'est la 300, la DMC, voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, ça brille. Beaucoup de jaune. Enfin, c'est un jaune orangé. Bleu. Plusieurs bleus. C'est un marron foncé. Là. Ça, ce serait bien le noir. Mais il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Et en dernier, le blanc. Pas beaucoup non plus. C'est vrai que le blanc et le noir, ce ne sont pas les couleurs préférées, hein, normalement. Alors, on va remettre. Voilà. Et donc ici, il y a un peu de saison encore, puisqu'on n'est pas encore en hiver. Je regarde. Non, ça va. C'est le plastique qui est un peu chiffonné, qu'ils ont collé dessus. C'est pas là. La toile va bien. C'est le plastique qui est un peu, qui est chiffonné. Il a dû passer trop vite au moment du. Je regarde parce que bon, sur cela c'est rare qu'il y a des rivières. Mais non, c'est le quand ils ont mis le plastique dessus, ça a dû passer trop vite dans la machine. Voilà, des petits osios. Avec un fond automnal. Voilà. Des petits osios bleus. Avec le ventre orangé. Mignon. Alors, comme j'avais dit, ouais, c'est 22 couleurs et c'est un 30-40. On le remballe. Et le dernier, alors lui il a une deuxième pochette, où je trouve le bout, où je trouve le bout de la deuxième pochette, la voici. Il ne veut pas sortir. Il veut pas. Pas mal alors. Comment ils ont fait pour le rentrer dedans alors que moi je ne sais pas le sortir. C'est fort. Ah ben voilà. Et ben, je sais pas si je vais savoir le re-rentrer dedans. Hein. Alors c'est un 30-40. Avec 27 couleurs. Toujours le petit kit, bien sûr. Et ici, nous avons les perles rondes en chapelet. Désolé hein, pour le bruit. Oui. Ouais. Ça, je ne pouvais pas le préparer avant. Allez, les petites couleurs. Marron, marron, marron. Un jaune orangé. Un rose, un vieux rose. Ça, c'est un bleu. Encore un bleu. Encore un bleu. Ah, ben, c'est tous les mêmes, là. Oui, c'est trois paquets pareils. Voilà. Attendez, j'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. Je cherche le bout. Voilà. Un rouge, bleu. Ça, c'est le noir. Ça va.
plusieurs formes de jeûne. Marron. Encore du marron. Toujours du marron. Et voilà. Donc des jolies couleurs. Voilà, que l'on va remettre dans notre petit paquet. J'arrive, hein. N'inquiétez pas. J'arrive. Voilà. Et ici, voilà, hop, comme ça. Une dame avec une grosse fleur sur la tête. C'est joli, avec un fond tout bleu. Je trouve ça original. Donc celui-là, c'était un 30-40 avec, j'avais dit combien de couleurs, 27 couleurs. Donc voilà, vous avez vu les trois kits donc de la boutique Craft Art Club. Comme d'habitude, bon, je n'en mets pas en plastique transparent parce que je n'y arriverai pas. Comme d'habitude, je vous remets, bon, je rangerai après. Je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des kits que je vous ai présentés. Et comme ça, si vous êtes intéressé, ben, vous pourrez les retrouver directement. Et nous, on va se retrouver ben, très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.